Là encore, c'est un autre dispositif. C'est directement posé au sol. Quand on fait avec les bambous, là, ça se dégrade vite après 1, 2 ans. C'est pourquoi tu vois, ça lâche déjà. Quand on surmonte là, c'est pour protéger les fruits aussi. Donc, tu vois, voilà, la grosseur des fruits, c'est pas mal, hein. C'est bien, on a mis déjà les bambous là pour poser la bâche dessus. Et puis, de ce côté, là, on est en train de faire le paillage. Donc avec ça permet en saison sèche d'atténuer un peu l'évaporation de l'eau quand on arrose, quoi. Tu vois. Charbon aussi, c'est intéressant. Protéger le sol, fertilisation et autres. Du courage. Donc, tu vois, c'est les sacs de charbon qu'on a mis. Ça joue aussi un rôle de fertilisation. Ça fixe le sol, ça protège le sol, ainsi de suite. Et avec la paille et des chaumes d'haricots, pas comme on a paillé ici. Par exemple, ici, c'est tout beau là. Et ça permet de limiter l'évaporation de l'eau, surtout comme c'est en saison sèche là, et qu'on n'a pas encore mis la bâche. Ça permet vraiment de bien conserver. Ah ouais, donc voilà un peu ce que je voulais te montrer pour aujourd'hui.